Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nicoprime TV. Aujourd'hui, on continue la série de tutoriels sur Super Fantasy Brawl avec la figurine Daket. On va pouvoir explorer des techniques pour représenter la lave et les flammes en plus de travailler de grands dégradés. Mais avant cela, j'aimerais faire un petit point avec vous. Vous avez pu le constater, je n'ai pas sorti de vidéo durant le mois de janvier. Mais rassurez-vous, tout va bien. La raison principale, c'est que j'étais trop occupé à tourner 11 autres vidéos qui viendront prochainement sur la chaîne, ainsi qu'à dispenser des figostages à des élèves. J'ai préféré prendre ce temps à tourner et peaufiner les futures vidéos de la chaîne ainsi qu'à faire de la peinture plutôt qu'à favoriser le nombre de vidéos. Vous serez prochainement les juges qui me diront si cela en valait la peine. De même, ce décalage va faire que je ne pourrai pas d'ici mars vous proposer l'intégralité des figurines actuelles de Super Fantasy Brawl en tutoriel comme je l'avais initialement prévu. Oui, j'ai bien dit actuel, car une partie de la raison de ce retard, c'est que je vous prépare des vidéos sur des figurines de Super Fantasy Brawl que vous ne connaissez pas encore, de façon à pouvoir avoir des tutos avant que les figues ne vous soient dévoilées puis livrées. Mais au final, soyez assurés que vous aurez en tuto toutes les figurines du jeu. Bon, assez bavardé et passons à Daket. Enfin, juste après l'intro. Voici l'ensemble des couleurs que je vais utiliser pour peindre Daket. Vous retrouvez ces peintures en description de la vidéo. Je commence donc par sous-coucher ma figurine avec une bombe de noir, puis je suis venu faire un zénithal de blanc à l'aérographe par-dessus. Comme nous l'avons vu dans l'épisode pour les sous-couches, votre zénithal peut être fait aussi bien avec une bombe de blanc qu'avec du pinceau. Je commence la figurine en attaquant les zones de cuir avec mon Dubai Brown, donc bien dilué de façon à continuer à profiter de la lumière de mon zénithal. Je sais que sur l'illustration, on pourrait penser que ces zones sont en cuivre, ou en tout cas font partie de son armure de cuivre. J'ai trouvé plus intéressant de les traiter en cuir. L'objectif est ici d'obtenir une couche de base qui soit déjà plus ou moins éclairée grâce au zénithal. J'applique ensuite une deuxième couche de ce traitement afin d'obtenir ma couleur définitive. Et j'obtiens ceci. Je passe ensuite au orange qui va être la couleur dominante sur toute la figurine. Donc encore une fois, ma couleur est bien diluée et vous voyez que j'utilise un gros pinceau, on va dire, pour venir en un seul passage marquer les grandes zones que sont les ailes. Je tire ma peinture de l'intérieur vers l'extérieur. Nous verrons que je vais répéter cette opération un certain nombre de fois avec un certain nombre de couleurs. Donc n'oubliez pas de bien remplir toutes les zones de façon à ce qu'il n'y ait plus de blanc sur votre figurine. Vous constaterez que en fonction de la couleur de votre zénithal, et donc si vous êtes sur du blanc ou plutôt du noir, ce orange va changer de couleur ou en tout cas se comporter différemment sur la surface. De même, il va être beaucoup plus vivace et brillant, lumineux sur les zones qui sont déjà en blanc. De même, tant qu'elle n'est pas sèche, la peinture n'aura pas sa véritable couleur définitive. Donc je vous conseille de laisser sécher les zones de façon à être certain de pouvoir repasser dessus et modifier la couleur. De manière générale, tirez toujours votre peinture, on va dire, vers l'endroit où il doit être le plus orange. Donc ici, dans le sens des plumes. Idem, une fois que tout est bien sec, venez appliquer une seconde couche, toujours avec le même sens de peinture, sur l'ensemble de vos zones destinées à être en orange. Et ce, jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose comme ceci. Je commence ensuite à baser mon socle avec mon Baylor Brown, parce que, comme vous pouvez le constater, il y a de fortes chances que vous veniez toucher avec cette peinture, les plumes de la queue. Donc afin d'éviter de devoir recommencer un travail de dégradé plus tard, je commence par baser le socle. J'utilise également ma couleur sur ce qui va devenir plus tard
des rochers, mais ça va me permettre de mieux lier ces rochers justement avec la couleur du socle et de la terre du socle. Une fois que tout est bien sec, je viens appliquer une deuxième couche afin d'avoir une belle couleur uniforme sur l'ensemble de mon socle. Puis je laisse sécher le tout jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose comme ça. Puis comme d'habitude, j'applique un généreux ancrage d'Agraxor Shade sur l'ensemble du socle. Et je laisse sécher pendant un bon gros quart d'heure. Je commence ensuite à préparer tous mes effets de lave. Donc pour ça, je mélange mon Aerial Yellow avec un petit peu d'ivoire de façon à l'éclaircir un petit peu plus. Et je viens l'appliquer dans toutes les zones où je vais appliquer du feu ou de la lave, et donc dans tous les creux surtout, de façon à ce que l'ensemble soit bien recouvert avec ce jaune très pâle, très lumineux. L'important quand on peint des flammes ou de la lave, c'est que on ait cette impression de chaleur. Or, l'impression de chaleur vient de ce côté très blanc presque du jaune. C'est ce qui représente vraiment l'énergie, la chaleur du feu. Avec ce même jaune, je viens commencer à marquer la délimitation entre chacune des plumes des ailes. Et je dégrade progressivement avec ma peinture bien diluée la progression de ma peinture vers l'intérieur même de l'aile. Et je répète donc ce procédé sur l'ensemble du plumage de façon à commencer à avoir une espèce de dégradé qui va du jaune vers le orange. Si vous trouvez que vous êtes allé un peu trop loin, vous pouvez toujours revenir avec votre orange pour lisser la transition entre vos couleurs. Et voici ce que l'on obtient une fois toutes les zones remplies. J'utilise ensuite un Cassandra Yellow que je viens placer sur une partie de mes zones de feu et de lave de façon à commencer à représenter la diffusion de la chaleur qui va en se refroidissant plus elle va vers l'extérieur. Sur ces épaulettes par exemple, je ne marque mon ancrage que sur les extrémités des épaulettes en préservant le centre de chaque épaulette de façon à montrer d'où vient la chaleur. Et au final, voici ce que vous devez obtenir. Laissez ensuite sécher ce shade pendant 5 à 10 minutes. Je fais ensuite un mélange 50-50 entre mon orange et mon rouge et je viens le passer comme ça très rapidement sur des grandes surfaces de façon à commencer à préparer mon dégradé. Donc je pose ma peinture assez vite et puis je viens avec simplement de l'eau lisser la partie des transitions qu'il y a entre mes deux couleurs. Je répète l'opération sur l'ensemble de mes plumes, sur toute la figurine. Sur les plumes de la queue, je fais l'opération de façon à progressivement remonter vers le orange pur, vers le haut de la queue. Je répète ensuite la même opération avec un rouge bien dilué, toujours pareil, bien appliqué en grande surface rapidement et sur une zone un petit peu plus restreinte de façon à conserver le travail que j'ai fait avec mon orange rouge tout à l'heure. Et tout comme précédemment, je viens ensuite avec un pinceau juste humidifié pour travailler les transitions entre mes deux couleurs. J'insiste sur le fait que vous devez faire ça en un seul passage et surtout ne pas revenir, notamment si vous utilisez un petit pinceau, de façon répétitive sur ces couches, vous allez créer des auréoles ou des traces qui seront un peu pénibles à récupérer. Je viens ensuite faire un mix 50-50 entre mon rouge et mon futur violet. J'ai ici utilisé une encre violette. Au final, je pense que pour vous, ça sera plus simple avec une vraie peinture violette foncée. Au pire, ajoutez du noir dans votre violet de façon à ce qu'il soit foncé. Mais avec une encre, c'est un petit peu plus difficile à travailler. Et donc, toujours pareil, je fais de façon bien diluée la couverture de mes zones avec cette couleur-là sur une zone un petit peu plus restreinte de façon à marquer la progression dans mon dégradé. Ma peinture est toujours bien liquide et j'applique ça rapidement de façon à pouvoir venir le retravailler en humidifiant mon pinceau et en lissant la transition une fois qu'elle est posée. Laissez surtout bien tout sécher à la fin avant d'appliquer la couche suivante. Je finalise avec mon encre violette un petit peu diluée sur le bout de mes plumes. Encore une fois, avec une encre, c'est un petit peu plus difficile à appliquer. Je vous conseille une vraie peinture. Mais au final, on peut le faire aussi comme ça. Donc je lisse bien mes transitions avec mon encre en tirant bien ma peinture dans le sens de mon ombrage, c'est-à-dire de ma lumière vers l'ombre, de façon à être sûr que là où je dépose le plus de violet, ça soit vers le bout de mon aile. Je travaille ensuite ma transition avec mon pinceau humide et c'est là
que le travail de l'encre n'est pas très optimum pour ce type de travail, ce type de mouillage. Donc avec une vraie peinture, vous aurez moins de difficultés que ce que moi j'ai pu avoir à faire avec mon ancrage. Mais toujours pareil, je lisse les transitions. Je passe ensuite une nouvelle couche de mon encre diluée de façon à augmenter l'intensité de cet ombrage et de cette obscuration, on va dire, du bout des ailes. Mais toujours pareil, je vais doucement mais rapidement sur la figurine poser mes zones d'ombrage en tirant ma peinture de la lumière vers l'ombre. En cas de problème dans une transition, vous pouvez toujours revenir en stippling. Donc là, vous voyez que je suis avec un rouge. Donc je viens faire des petits points, des petits pointillés sur mes zones de transition de façon à adoucir le dégradé que j'ai pu faire entre mes couleurs. J'ajoute une dernière étape avec ce violet sur une zone encore un petit peu plus petite de façon à renforcer vraiment le contraste au global. Et voici ce que vous devez obtenir au final sur votre aile. Je viens ensuite avec mon encre violette non diluée marquer les extrémités ou tirer de fins traits sur le bout des ailes et vraiment noircir quelque part l'extrémité globale des ailes. Afin de renforcer le contraste, je viens faire de fins linings de jaune pur en partant de ma lumière et remontant vers l'extrémité ou presque l'extrémité de chaque plume, marquant ainsi un fort contraste sur le rebord de chaque plume. Et voici le rendu final sur une des ailes d'Aquette. J'ai ensuite essayé de représenter le plumage avec des petits traits, mais vraiment pas convaincu, donc je suis revenu en arrière. J'ai ensuite réalisé les mêmes opérations de dégradé sur tout le reste de la figurine, en répétant exactement le même processus en dégradant mon orange, puis mon rouge, puis vers le violet. Sur le bas de la queue, j'ai finalisé non pas au violet mais au noir pur, de façon à créer une lumière globale et une différenciation entre le bas de la figurine et le haut de la figurine. Pour finaliser ce plumage, je suis venu faire de fins linings de rouge qui rejoignent les linings de jaune que j'avais fait, mais qui vont finaliser l'ensemble des bordures de toutes les plumes. Cela permet vraiment de faire que les plumes se détachent les unes des autres et donc renforcent la lecture, la simplicité de lecture sur la figurine. Pour finir, je reviens comme je l'avais fait sur la première aile, marquer le jaune qui va servir de séparation et de source de lumière entre chacune des ailes. Donc avec une peinture assez liquide, je viens déposer ma peinture et je la lisse dans le sens où je veux qu'elle soit de plus en plus jaune. Je reviens ensuite retravailler le milieu de mes linings avec un orange de façon à travailler la transition entre mes linings jaunes et mes linings rouges sur l'extérieur. Au final, entre le travail de dégradé et le travail des divers linings que j'ai pu appliquer, j'obtiens une figurine contrastée et lumineuse. Passons maintenant à la peinture des flammes. Mon jaune pâle et mon jaune, et mon jaune légèrement orangé, sont déjà présents sur la figurine et on voit que je les ai déjà montés relativement haut dans les flammes. Simplement parce que le feu est une matière vivante quelque part, et non pas uniforme. Il ne s'agit pas ici de faire un bête dégradé, on va dire, qui irait du blanc jaune qui est sur le bout de l'épée, jusqu'à un rouge ou un noir au bout de la flamme. Il va falloir faire varier tout ça au fur et à mesure de la flamme. Peindre une flamme, c'est donc faire un jeu d'aller-retour entre les diverses couleurs qui vont composer cette flamme. Je commence donc par mélanger mon jaune avec un petit peu d'orange, de façon à avoir une couleur un petit peu plus marquante que le Cassandra Yellow. Et je viens repeindre les diverses volutes de mes flammes en insistant à divers endroits pour marquer un peu plus ma couleur. Le but n'est pas de tout repeindre de cette façon-là, il faut être plus sélectif, mais d'apporter de la variation entre mon blanc-jaune et mes jaunes déjà légèrement ombragés avec cette couleur, à laquelle j'ajoute des petits lavis de rouge pour marquer les creux ou les diverses volutes que je souhaite mettre en retrait par rapport au dessin du feu. Et en le faisant suffisamment rapidement, vous vous rendrez compte que votre peinture jaune n'étant pas totalement sèche, vous allez pouvoir mixer ce lavis de rouge avec votre peinture jaune et donc créer des zones de transition en orange relativement simplement. Insistez tout de même avec votre couleur sur le bout des flammes de façon à ce que l'on voit une progression vers l'extrémité des flammes. Au besoin, revenez avec votre jaune pur, marquez en fait les flammèches qui pourraient être à l'intérieur de votre flamme principale. Et assurez-vous que plus vous approchez de la source de la chaleur,
plus vous allez être soit en blanc au maximum, soit dans un jaune très clair. Venez ensuite avec un rouge relativement couvrant, remplir les extrémités ou dessiner encore plus les extrémités des flammes de façon à la rendre rougeoyante. Ajoutez ensuite un peu de noir à votre rouge et venez répéter l'opération en vous assurant d'être vers l'extrémité de vos flammes. De cette façon, vous allez comme ça pouvoir aller progressivement vers un noir pur qui va recouvrir le bout de la flamme. Profitez de ces teintes légèrement marronnées noires pour venir commencer à peindre chacune des petites pierres qui sont incrustées dans la lave chaude. Et assurez-vous que plus vous serez sur le devant de l'épée, donc proche de la source de chaleur, plus cette couleur sera diluée et donc plus elle sera transparente. Et sur les extrémités, venez simplement marquer l'intérieur des pierres ou le bout des flammes avec un noir pur. Venez ensuite peaufiner la flamme globale en faisant danser, on va dire, chaque petite flamme à l'intérieur de ce feu global. Donc c'est en jouant avec les variations de blanc, de jaune, de orange, de rouge, puis sur l'extrémité globale de noir, que vous allez faire vivre votre feu. Vraiment, le but est de faire danser chaque flamèche à l'intérieur d'un feu général. Si vous arrivez à faire ça, votre feu sera crédible. Et tant que vous êtes sur ces couleurs, profitez-en pour venir dégrader l'extrémité des plumes qui sont sur le visage d'Aket. Sur les petites plumes de ses bras, renforcez simplement vers le orange-rouge et vers le noir les petites plumes qui sont présentes en saillie. Et éclaircissez vers le jaune les doigts d'Aket. Sur la partie de l'épée qui n'est pas recouverte de flammes, je passe plusieurs petites couches d'orange bien diluées de façon à lui donner une couleur qui, de toute façon, si elle était en métal, serait le reflet, en fait, de la flamme qui est présente sur l'épée. Sur les épaules, je viens simplement repeindre en orange l'ensemble des roches ou des cailloux qui sont présents dans les fêlaves de son armure. Donc je peins comme ça progressivement tous mes petits rochers à partir d'un orange assez liquide que je viens ensuite rendre complètement opaque plus je monte sur le haut de chaque volume. Je dégrade ensuite chacun de ces rochers vers un rouge, puis je viendrai ajouter quelques petites touches de noir sur l'extrémité de chaque rocher. À l'aide d'un orange très dilué, je viens renforcer les bords en fait de toute ma plaque d'armure de façon à renforcer le jaune blanc, le jaune très chaud et très puissant qui va se trouver au milieu de ma plaque d'armure. Je continue ensuite en peignant en noir l'intégralité de toutes les parties qui vont être métalliques parce que les couleurs métalliques réagissent beaucoup mieux sur une peinture noire que sur une peinture blanche ou grise. Jusqu'à ce que j'obtienne une figurine comme ceci. Sur les parties hautes de lave près de ses ailes, je procède exactement de la même façon. Je dégrade d'abord vers du orange, puis un peu de rouge, et je finis par une pointe de noir jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose comme ça. Je viens ensuite travailler le pantalon d'Aket. Donc pour ça, j'ajoute un peu de mon encre violette à mon marron de base et je viens commencer à ombrer le pantalon d'Aket. Le but est d'ajouter une teinte légèrement violette, mais de garder quand même par transparence ce marron. Je ne le fais pas sur toutes les parties de cuir, mais uniquement celles que j'estime faisant partie de sa tunique. Donc j'exclus les lanières accrochées à sa ceinture, ainsi que toutes les petites lanières qui sont, comme sa ceinture, des lanières de cuir pur. Pour le reste, je les peins toutes de cette façon avec mon mélange violacé. J'ajoute ensuite un petit peu de marron à mon mélange de façon à ce que ça soit une couleur un peu plus claire et je viens marquer comme ça la texture ou les éclaircies du tissu légèrement violacé pour que on voit la lumière sur mes volumes. J'ajoute ensuite un petit peu d'ivoire dans mon mélange afin de marquer les arêtes les plus saillantes de ces volumes. Puis à l'aide de mon encre violette légèrement diluée, je viens renforcer
l'ensemble des ombres qui sont présentes dans mon cuir. Donc je passe mon mélange très en douceur dans tous les creux et tous les replis que peut contenir l'ensemble des parties de cuir présentes sur raquette. Ainsi, mon encre va interagir avec l'ensemble des volumes et non pas simplement les parties sur lesquelles je le passe. C'est-à-dire que le vieillissement que j'ai pu créer sur mes volumes avec les éclaircissements en ivoire que j'ai fait vont aussi être teintés avec ce violet. Mais vont donc du coup donner un violet légèrement plus vivace à cause de l'ivoire. Tout en renforçant réellement les ombres présentes sur ma figurine avec mon violet. Pour le reste des cuirs, je procède exactement comme j'avais fait sur Derin, en progressivement ajoutant un petit peu d'orange à mon marron pour dégrader mon cuir, puis en venant marquer un vieillissement avec un petit peu d'un mélange de ma couleur de marron de base plus de l'ivoire, et en appliquant comme ça divers traits marquages sur l'ensemble des volumes. Sur les parties de cuir qui sont sur le haut d'aquette, j'insiste un peu plus vers l'ivoire pur de façon à renforcer l'éclairage global sur ma figurine. Puis je viens avec un Agrax sur Shade ombrer en fait mes cuirs de façon à renforcer le contraste dans le sens de ma lumière. Jusqu'à obtenir quelque chose comme ça. Il est temps de s'occuper des parties de bronze de son armure. Par conséquent, je mélange un petit peu de noir avec mon brass scorpion et je viens les passer sur l'ensemble de toutes les zones de ces armures que je dessine à étang cuivre. Cela va me donner une couleur assez sombre qui va me permettre de laisser transparaître un petit peu de noir dans l'ensemble des parties en cuivre. Je rappelle que pour utiliser les peintures métalliques, il faut les diluer au médium et non pas à l'eau, de façon à ce que les pigments ne flottent pas à la surface et que vous puissiez appliquer de fines couches bien lisses et tirer votre peinture dans le sens où vous le souhaitez. Par conséquent, tirez votre peinture vers là où vous voulez qu'il y ait de la lumière, tout en laissant, on va dire, le noir transparaître sur là où doit être présent l'ombre. J'ai décidé d'utiliser la complémentaire du rouge pour venir marquer un vieillissement dans toutes les parties de cuivre. Et donc je suis parti sur un vert, ici avec un Sick Green, pour venir passer de fins voiles de vert sur les extrémités de mes parties de cuivre, là où était présent, on va dire, mon noir. Et je tire comme ça progressivement en remontant vers l'œil central du bouclier, que je vais transformer en OSL petit à petit, mon vert. J'ajoute ensuite un petit peu de mood green à mon livery green et je viens comme ça marquer les zones où la lumière est supposée être un petit peu plus intense sur mes parties métalliques. J'augmente ainsi la luminosité globale qui va se dégager de l'OSL qui va partir de l'œil. Je marque ainsi progressivement avec une couleur de plus en plus pure vers mon mood green les arêtes les plus proches de l'œil. Je procède de même sur l'ensemble de mes parties métalliques où j'essaye de renforcer les zones qui étaient très noires pour les rendre un petit peu plus vertes. Avec le mood green pur, je renforce la lumière présente autour de mes zones d'OSL. Donc je n'hésite pas à marquer fortement les arêtes et à adoucir autour les parties qui vont devenir de plus en plus vert fluorescent. Et sur mes parties d'armure, je renforce ce mood green vers les zones qui doivent être les plus lumineuses. Donc je m'assure que plus je vais vers ma lumière, plus je deviens mood green. Je passe ensuite sur mon vert fluo, le livery green, et je marque encore plus les arêtes, renforçant ainsi la lumière globale qui est présente dans l'ensemble du bouclier. Et je vais marquer sur le reste de l'armure uniquement de fin lining de façon à marquer vraiment cette couleur verte comme éclaircissement maximum de mes zones de cuivre. A l'aide de mon heavy metal, je viens simplement éclairer les arêtes de mes parties de cuivre qui ne sont pas prises dans mes OSL de verre ou dans mon vieillissement en verre sur mes volumes. Je vous conseille vraiment d'utiliser le métal pur dans vos cuivres afin de matérialiser une brillance maximum aux endroits où vous le souhaitez dans vos parties de cuivre.
J'ajoute ensuite progressivement de l'ivoire dans mon verre fluo, de façon à venir renforcer énormément l'éclat lumineux qui se trouve dans le centre de lumière de mon OSL, c'est-à-dire ici l'œil du bouclier. Et voici au final ce que vous devez obtenir sur les parties de cuivre de l'armure d'Aquette. J'ajoute ensuite un peu d'ivoire à mon orange et je viens marquer ainsi le dessus du volume de chacune des pattes ou des serres que peut avoir Aquette. Je finalise avec des linings d'ivoire presque pur sur le bord ou le rebord de ces pattes. Puis je reviens marquer en noir pur la délimitation entre ces griffes et les pattes. Ce qui me permet de marquer un arrêt net entre le gris que j'ai pu légèrement dégrader sur les serres en elles-mêmes de façon à leur donner un petit peu de volume. Pour les gemmes qui sont sur la ceinture d'Aquette, j'ai tout simplement commencé par peindre l'ensemble de la gemme avec mon Sea Green, puis ensuite je suis revenu avec du Mood Green peindre deux des facettes, les facettes opposées de chacune des gemmes. J'ai ainsi créé un volume rien qu'en faisant ça. J'ai ensuite marqué les arêtes avec mon vert fluo, le Livery Green, sur l'ensemble de la gemme. Et au centre de celle-ci, j'ai ajouté à mon Livery Green un petit peu d'ivoire de façon à rendre le sommet de la gemme légèrement plus brillant. Je m'occupe maintenant des plumes beaucoup plus claires d'Aquette et donc je peins l'ensemble des surfaces avec un Zandri Dust assez dilué. Je vais venir passer deux ou trois couches de ce traitement afin d'obtenir une couleur bien lisse et bien opaque. Puis je viens déposer un ancrage de Seraphim Sepia en insistant vraiment dans les creux de façon à ce que l'ombrage se propage vers l'intérieur de chacune des plumes. Je laisse ensuite sécher cela pendant une dizaine de minutes. J'ajoute ensuite un peu d'ivoire à mon Zandri Dust et je viens comme ça tirer de petits traits à l'intérieur de mes zones, dégradant ainsi progressivement vers l'extérieur mon Zandri Dust. Je viens ensuite à l'ivoire pur marquer les extrémités, toujours avec le même procédé de petits traits, sur chacune des petites plumes. Sur la partie des plumes du visage, je n'applique ce traitement que sur les plumes les plus hautes et laisse les autres beaucoup plus sombres de façon à renforcer l'éclairage du visage. Comme à mon habitude, je viens ensuite finaliser mon socle en éclaircissant progressivement chacune des zones avec un petit peu d'ivoire à l'intérieur de ma couleur de base et je monte comme ça petit à petit vers quasiment l'ivoire pur. Je peins ensuite chacune de mes touffes d'herbe avec mon Warpstone Glow que je vais ensuite éclaircir vers un Mood Green que je marquerai vraiment sur le sommet de chacun de brins d'herbe avec un Mood Green sur lequel j'aurai ajouté un petit peu d'ivoire pour faire une liaison avec la terre du socle. Après avoir repeint en fine couche en Mechanicus Standard Grey mes cailloux, je dégrade mon Mechanicus Grey progressivement avec de l'ivoire afin d'éclaircir et de marquer la texture de roche sur l'ensemble du socle. Il ne me reste plus qu'à reprendre en noir la base de mon socle et notre figurine sera finie. Au final, on obtient une figurine vraiment lumineuse, très contrastée, sur laquelle l'ensemble des volumes est assez lisible. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir à peindre cette figurine que moi ou mes élèves en avons pris.
Je vous laisse, comme à l'habitude, choisir la prochaine figurine qui devra passer sous mon pinceau parmi celles qui restent. Indiquez-moi en commentaire la lettre de votre choix et la plus choisie l'emportera. Je tenais aussi ici à rappeler que les temps sont actuellement assez durs pour les boutiques. Entre Brexit et Covid, il devient assez difficile de faire vivre ces commerces qui pourtant sont le trait d'union indispensable entre les fabricants et nous, les joueurs et peintres. Donc soutenez-les autant que vous le pouvez tant qu'ils sont encore là, avant qu'il ne soit trop tard. Je rappelle également que Pens & Games, notre partenaire, vous propose d'obtenir 5% de remise supplémentaire si vous me soutenez sur Tipeee. De plus, il organise régulièrement des promotions sur de nombreux produits et jeux via son site internet ou en boutique. Il vous propose aussi des produits que vous ne trouverez quasiment nulle part ailleurs, à des prix assez fous. Comme par exemple des pinceaux Roublof qui sont totalement comparables à du Raphaël 8404 taille 2. Cela fait plus d'un mois que je m'en sers et que mes élèves les utilisent aussi. Nous en sommes tous très contents. Pourtant, ils coûtent 9 euros. Oui, 9 euros. Et ces pinceaux, ce n'est qu'une petite partie de tout ce que Sébastien et Pens & Games arrivent à nous proposer. Donc soutenons-le. Du coup, on en profite pour organiser un nouveau concours pour gagner un lot de 30 euros de pinceaux. Et si vous voulez participer au tirage au sort, inscrivez « Merci pour les trouvailles » en commentaire de cette vidéo. Je tirerai le gagnant lors d'une prochaine vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant finie, donc comme d'habitude, si vous avez aimé le contenu, je vous invite à laisser un pouce bleu sous la vidéo, à la commenter et à la partager. Je vous invite aussi, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et il va y en avoir. Si vous le pouvez, merci de nous soutenir sur Tipeee, le lien est en description de cette vidéo. Cela vous permettra aussi d'obtenir 5% de remise supplémentaire chez notre partenaire Pens & Games. Je tenais aussi ici à remercier nos autres partenaires, les sociétés Ramstag ainsi que Torek pour le travail que nous faisons ensemble, même si vous n'en voyez pas encore concrètement le fruit. Mais cela va changer prochainement. Sur ce, à très bientôt et merci.